La souche, depuis toujours, a été le grand obstacle contre lequel s'est buté le défricheur. Non seulement elle retarda la transformation du colon en cultivateur, mais encore elle fut la cause de bien des découragements et empêcha maints établissements de produire assez tôt pour assurer la subsistance d'une famille qui s'agrandissait plus vite que les guérets. Certaines souches résistaient plus de 10 ans, gênant, empêchant même les façons culturales, labour, égouttement, mécanisation. Il fallait pourtant les tolérer jusqu'à ce qu'elles fussent assez désagrégées pour que l'extirpation en fût possible. Le geste auguste du semeur n'est pas si grand aux yeux du colon qui le répète de souche en souche. Il le répète quand même avec persévérance, soutenu par son tranquille courage. Mais quelle perte d'espace et quelle perte de temps quand il s'agit de multiplier les détours avec la herse à dents. En dépit d'un travail plus grand, le colon ne peut espérer plus de 25% du rendement. Heureusement, le courage trouve bientôt tout de même sa première récompense, car la terre neuve rend bien au stage d'abattu. Mais la difficulté demeure, bien plus, elle se multiplie lors de la récolte. C'est la souche qui force le colon à se servir encore de la faux. Ce gaillard-là se fait des bras, et s'il frappe une souche, eh bien, un sourire vaut bien un juron, n'est-ce pas? Les méthodes du bon vieux temps avaient leur cachet, certes, mais elles ne sont plus pratiques du tout. Et un progrès de bon aloi doit remplacer les procédés primitifs. Pourquoi bouder les progrès du siècle de la vitesse et de la mécanisation industrielle? Ce pauvre cheval a beau avoir du cœur au ventre, sa force a des bornes. Ne voilà-t-il pas un état de choses éminemment retardataire, vraiment d'un autre âge? Aucun homme sensé ne pourra supporter ce spectacle plus longtemps. Le curé de Rochebeaucourt est de ceux-là. Au début de l'été 1939, il conçoit un projet qu'il va exposer au sous-ministre de la colonisation. Que se sont-ils dit? Nous allons le voir. Il s'agissait tout simplement d'employer à l'essouchement les petits tracteurs que le ministère de la colonisation affectait aux travaux des chemins. Tout de suite, le colon sentit un énorme soulagement. Il fallait cependant plusieurs manœuvres pour attacher les souches. C'était un beau début, mais il y avait place à perfectionnement. Le tracteur toueur donnait un rendement trop insuffisant pour être économique. Le tracteur à chenilles, muni d'un bélier, lui succéda. Aucune souche ne lui résiste longtemps. Profondément enracinées, les souches sont l'image de l'attachement des Canadiens français à la terre québécoise. C'est en luttant contre la souche que nos défricheurs affirment leur volonté de vivre et de demeurer. Le progrès moderne vient décupler leurs efforts. Le colon sourit malicieusement au bon tour qu'il joue à l'ennemi séculaire. Ah, si son père avait connu cette invention-là! Cette souche mesure 2,5 pieds de diamètre, vérifié, mais le bélier la culbutera comme les autres. Il faudra de l'adresse pourtant, car lancer ce mastodonte aveuglément contre de telles souches
pourrait le briser tout simplement. Économique, ces puissantes machines ne doivent être utilisées qu'à leur plein rendement. Aussi est-il préférable de faire faire le ramassage par de plus petits tracteurs ou par la traction animale, car pour le bélier mécanique, c'est un jeu d'enfant. Sur un lot de colonisation, c'est de la vie qu'il faut. Les arbres desséchés sont arrachés en un rien de temps. Mais attention, l'opération présente de réels dangers et exige une main-d'œuvre experte. Quelle moderne chasse-galerie fait ainsi se promener la tête des arbres? C'est la régaleuse ou bull grubbler. Les grands arbres même tombent drus comme mouches. Le monstre d'acier balaie tout sur son passage. Terrain recouvert de jeunes arbustes en pleine végétation, la régaleuse, munie de dents, nous promettait un moyen efficace de défrichement. Par malheur, le déplacement de la partie humifère avec ses débris, en outre de former des haies imbrûlables et indéfaisables, compromet la fertilité future de ces sols. Conservation des sols étant le problème capital, on opère maintenant de telle sorte que les dents de la régaleuse n'enlèvent qu'un minimum d'humus. De plus, on déchiquette certaines souches, ce qui les rend plus faciles à ramasser et à brûler. Régaleuse à passer, il ne reste plus qu'à recueillir à l'aide d'un cheval les débris que l'on empile pour la bâtie. Le champ est parfaitement nettoyé et l'on a laissé au sol ses matières organiques. Les souches sont rangées. La bâtie est prête, au tour du feu, de jouer son rôle bienfaisant. Nous venons de voir que les souches ne sont plus le cauchemar du colon qui profite du défrichement motorisé. Mais il y a un autre encombrement parfois très sérieux, ce sont les pierres. Ici encore, le bélier mécanique se montre l'auxiliaire indispensable. Toute sa puissance est mise à l'épreuve quand il s'attaque à des masses de plusieurs fois son poids.
Les grosses pierres sont des nuisances permanentes. Leur déplacement à un coût économique n'a été rendu possible que par la motorisation du défrichement. Force mécanique est doublée par l'habileté de l'as aux commandes qui fait donner la machine à la limite de sa force sans risque de bris. On commence par les grosses pierres qu'on aligne en bordure du champ, là où elles nuiront le moins. La grande pitié des pierres se rencontre même sur les terres cultivées depuis 50 ans et plus. Le mieux qu'on pouvait faire à force de reins et avec la traction animale, c'était des tas de petites pierres empilées sur les grosses qu'on ne pouvait pas remuer. Ces îlots paralysaient la culture mécanisée et empêchaient l'égouttement. Rangées en digues, ces roches deviennent utiles puisqu'elles servent de clôture, mais l'idéal serait de les faire disparaître en les transportant dans les ravins. Voyons maintenant ces centaines de milliers d'acres de savane sur terre arable où l'emploi de la petite charrue s'est révélé inefficace parce qu'elle ne pouvait en faire l'égouttement ni en retourner la mousse pour atteindre le sous-sol fertile. On fit d'abord l'expérience d'une assez grosse charrue qui retournait le sol à 10 pouces de profondeur et donna un très bon rendement là où la mousse était relativement mince. C'était la débroussailleuse ordinaire, avec coutre roulant, qui ne diffère des autres que par sa capacité plus forte. Cet instrument tourne une raie de 10 pouces de profondeur par une vingtaine de pouces de largeur, ce qui permet de mêler quelques pouces de mousse avec le sous-sol. Cette couche huméfiée que le labour rend productive constituait une richesse inexploitée. Les résultats de ce travail démontrent qu'en augmentant la capacité de la débroussailleuse, il serait possible de récupérer des étendues encore incultes et cependant d'une fertilité exceptionnelle. C'est d'ailleurs le cas particulier de l'Abitibi, où le sous-sol à 15 pouces de profondeur est d'une grande richesse inutilisée jusqu'ici. L'expérience de la charrue profonde révéla que non seulement on pouvait aller chercher le sol arable à un pied de profondeur, mais encore qu'on faisait l'égouttement. On essaya une charrue plus grosse, avec les mêmes résultats probants. Cette charrue peut tracer un sillon de 15 pouces par 30. Le ministère de la colonisation ne cessa de développer cette technique nouvelle et d'encourager les ouvriers du Québec à perfectionner les plus puissants instruments en usage. On mit bientôt au point ce formidable engin qui marque une évolution sans précédent dans le domaine du défrichement motorisé. L'énorme machine est très souple à la manœuvre car elle est mue par un système hydraulique actionné par le tracteur. Avec cette méthode, on n'a plus besoin de recourir au brûlage des débris de surface qui risquaient de détruire, en même temps que la mousse, trop de matières utiles. La charrue, qui mélange ces diverses couches, permet le développement de l'activité microbienne, rendant certains éléments nutritifs immédiatement assimilables aux plantes. Thank you.
engin, tiré par deux tracteurs de 70 forces chacun, pénètre aisément dans un jeune boisé. Les tracteurs abattent les arbres et les calent en passant. L'utilisation d'une scie mécanique pour couper les arbres avant le passage de ces instruments est à l'état d'expérience. Les arbres, jusqu'à 5 pouces de diamètre, s'inclinent sans résistance. La charrue géante enfouit ensuite troncs et débris végétaux à une profondeur de 2 pieds, en même temps qu'elle creuse des sillons profonds. Ceux-ci favoriseront le drainage qui constitue le premier traitement de ces savanes. Ces bandes de terre versées par la charrue ont 24 pouces d'épaisseur et 54 pouces de largeur. Voilà comment la motorisation du défrichement vainc tous les obstacles physiques que dresse la nature devant le colon. La désintégration de ces sols compacts s'opère assez vite au contact de l'air et de la gelée. Et voilà les moyens que l'État a pris pour rendre la colonisation plus humaine. La motorisation a rendu beaucoup moins dur et plus rapide l'essouchement et l'épierrement, en même temps qu'elle a permis de récupérer de vastes étendues jusque-là incultes. Devant ce succès concluant, le ministère de la colonisation a pris les mesures nécessaires pour généraliser les méthodes modernes du défrichement motorisé. En 1946, quelques 5000 acres de savane ont été ainsi récupérés pour la culture. Et ce n'est pas tout. En 1947, les résultats seront encore supérieurs, puisqu'aux 60 tracteurs de type divers que le ministère met à la disposition des colons, s'ajoutent les 30 autres loués par les syndicats du travail avec l'aide du ministère de la colonisation. Et voilà comment, en peu d'années, le défrichement motorisé transforme un lot boisé, une savane ou une terre pleine de pierres en véritable champ productif. Voilà comment on aide le colon à devenir vite un cultivateur prospère. Ces scènes authentiques ont été prises dans le Nord, là où l'on prétendait que la culture serait une lubie en raison d'un trop court temps de végétation. La colonisation rallonge le temps de végétation d'une région naguère couverte de forêts. Elle est donc révolue, l'ère des souches et des pierres qui attristait, décourageait tant de cœurs à la bonne place. C'est tout un rang, toute une paroisse qui voit le jour et s'organise. Le ministre de la colonisation avait bien raison de s'écrier « Colonisation, œuvre de vie. Oui, œuvre grandiose, œuvre essentielle des Canadiens français, œuvre continuée de leurs héroïques pionniers, prise de possession d'une terre neuve par un peuple jeune, réservoir où la race se retrempe et se renouvelle, œuvre qui fait la patrie toujours plus grande et toujours plus forte. »